Plusieurs unités spécialisées dans le PNH ont intensifié l'opération dans le Bas-Delva pour démanteler le chef gang vivant son nom, Barbecue. Dans cette opération, jeudi qui était 21 novembre 2024, il y a plusieurs bandits qui ont mortellement blessé dans le cas d'échange de tir avec la police nationale d'Haïti et il y a deux noyaux qui c'est Tidiab et Tichinal qui mortellement blessé. Dimanche 24 novembre 2024, agent l'autre te rapproché à l'opération dans Fief Gang Vive Ensemble dans la zone d'Elma 6, côté agent l'autre démoli plusieurs matériels dans la base Gang Sida. Toujours dans le cadre d'opération que la police a menée, eh bien, dans le cadre de ça, opération à intervention, il y a plusieurs bandits, j'en ai sorti là, qui sont mortellement blessés. J'en ai sorti, il y a Tichinay avec Tidjab, et puis il y a plusieurs autres qui viennent à l'arrestation. Il y a 13 âmes qui sont confisquées dans le cadre d'opération que la police a menée dans la zone Bandelma. Parmi eux, il y a un AK-47 de Mark Kalachnikov qui était pour chef gang Vive Ensemble. Plusieurs munitions saisies, il y a 3 drones la police saisie, il y a 7 machines et 3 motocyclettes la police confisquées. Parmi eux, il y a un camion forward que Bandi Vive Ensemble a utilisé pour tenter d'envahir Delma et Pétionville, que nous tous connaissons que la police était intercepté camion ça. Il y a une quantité de substances qui assimilée à marijuana et puis tout saisi et dans saisi et puis tout saisi intervention il y a plusieurs saisies qui fait une intervention à la police pardon. Non, au commandement la police n'a profité saluer courage voyant policier qui engagé dans bataille ça pour arriver établir la paix dans tout pays. Sans oublier, membres de la population, je ne j'en dis pas, à travers le mariage, population qui engage bon côté la police nationale d'Haïti dans quatre batailles que y a mené contre Gangameo. Conférence pour la presse. Nous saluons tout comme la presse, parler, écrit, télévisé, avec les médias en ligne. Qui présente journée jeudi 28 novembre 2024 là, dans le cadre de conférence pour la presse là, sous diverses opérations et interventions, la police nationale d'Haïti menée dans le pays. Je suis capable de constater, pendant les dernières semaines, la police nationale d'Haïti, sous instruction du commandant-chef là, M. Rameau Normil, intensifie l'opération dans le département de l'Ouest. Précisément dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et dans divers autres départements en cours, dans la Tibonite, dans le département centre, dans le sud-est, dans l'objectif pour arriver à démanteler foyer gang criminel. Dans le département de la Tibonite, précisément dans Saint-Marc, la police de Saint-Marc a arrêté Jean-Robert Figaro et Vincent Simpson. 15 novembre 2024 là, pour connexion avec gang Grand Griffe qui a opéré dans sa vie dans le département de la Tibonite. Information la police disposée montre à clair que l'individu a été servi de antenne pour faciliter les actes kidnapping pour gang Grand Griffe là. Et puis jouer rôle négociateur dans le cadre de demande de rançon entre parents victimes. À gang sa vie que Luxon Elan a dirigé. Toujours dans le département de la Tibonite, précisément dans la commune Biancourt, la police nationale d'Haïti reprend le contrôle commissariat de Biancourt qui trouvait dans le département de la Tibonite après attaque Negaxam qui fait sur le bâtiment Sila dans la date qui était 25 novembre et 25 janvier 2023. Grâce à la détermination au commandement PNH qui passait instruction dans le cadre de mariage, police, population,
MPP. Police dans diverses unités occupé espace commissariat pour assurer sécurité population. Dans département nord pays, la police nationale d'Haïti dans département nord interpellé policier Stanley Etienne, yon agent 2 qui fait partie 28e promotion police là jour quitté 15 novembre 2024. Policier Stanley Etienne était convoqué à auditionné par agent BLPSO qui est dans détachement dans nord pour trafic drogue à complicité et non trafic produits illicites. Policier s'est arrivé interpellé suite à dénonciation d'un narcotrafiquant qui relève Clive M. Sikoy Cameron qui était arrêté dans la date 12 novembre 2024 là pour trafic illicite stupéfiant, l'été gagné en possession et puis une arme illégale. D'après première information, Steve Cameron qui était confirmé que le policier Stanley Etienne a habitude de recevoir pour de vin l'argent en même juste pour le capable accomplir des actes criminels pour lui. Pour qu'on y a là, deux individus saillants, dans le cas d'avis, attendent la décision de la justice. Dans le département nord pays, et pardon, dans le département centre, dans la date 11 novembre 2024, suite à la plainte d'un jeune garçon qui portait le nom Martino Owens Clay, qui est venu déposer dans la direction départementale centre pour enlèvement petit garçon ça. Agent l'autre noté tout de suite, mobiliser et puis mener une opération jour quitté lundi 25 novembre 2024 là dans zone Roubaix commune Inche côté force radio rivé joindre individu sa yo qui était caché koyo dans un caille pour réaliser un auto kidnapping mercredi 27 novembre 2024 bon 10h30 dans souhait dans zone Coporan sur route nationale numéro 3 agent Idmoyo te mené yon opération côté gen deux bandits qui mortellement blessés dans le cas d'échange coup de balle avec la police. Individu sa yo côté nom Thomas Whitney et Wilson Jean. Individu sa yo te impliqué dans détourner camion marchandises sur route Beladea pour aller dans le département nord pays. Thomas Whitney, 44 l'année, qui sorti dans la zone SAP, qui s'est chauffeur camion, il était volé là et puis Wilson Jean 36 l'année qui était sorti il s'est moun par des bouquets qui t'a conduit pick-up Ford Ranger plaque AA 51477. N'a souligné dans cadre opération ça la police confisqué camion marchandise ça à compte pick-up dans département sud-est. Dans le département sud-est, suite à diverses opérations, la police menée dans la région ça, SDPJ a Udmo arrêté Apolléon Lamou, 28 l'année, dans la localité qui relie Corail, dans la commune Kajakmel, dans la nuit 22 pour l'ouvrir 23 novembre 2024. Pour implication présumée dans la coalition gang Vive Ensemble, nous tous connaissons qui est dans tête ligne. Jimmy Cherizier alias Barbecue a dirigé. Dans la déclaration, dans le bureau départemental police judiciaire SDVJ dans le sud-est, Apolléon Lamour reconnaît que l'icône fonctionnait avec chef gang Jimmy Cherizier et puis habitué détourner camion marchandise. Toujours dans le département sud-est, dans la nuit 25 novembre 2024, SDVJ, ensemble avec IGMO, a arrêté. Dormilan, 28 l'année, dans la section communale Cap Rouge, Dame Silla fait un auto-kidnapping. Dans l'après-midi qui était 21 novembre 2024. Là. Il a essayé de réaliser l'action ça en complicité avec ménage. Il a fait être passé pour un kidnapper. Plus, il y a un autre individu qui a fait demande de rançon qui évalue à 10 000 $ américains. N'a souligné SDPJ, dans le cas d'enquête que l'a mené, pas révélé l'autre individu ça pour pas entraver l'enquête.
Dans le département de l'Ouest, dans le cadre de série d'interventions ou opérations que la police a menées dans le département de l'Ouest, déjà gagné plusieurs avancées significatives qui commencent à faire. Dans ce sens, sorti mardi 19 pour arriver mercredi 20 novembre 2024, le commissariat tabac a brigade lutte contre vol véhicule qui est dans le DCPJ, BLVV, yon entité dans la direction centrale police judiciaire mène une opération conjointe avec le paquet quoi de bouquet dans souci pour arriver démanteler un réseau volé machine dans la zone Tressine 22. Dans le cadre d'opération, la force l'audio arrive mettre en bas code 8 individus parmi eux, une femme. Toujours dans le cadre d'enquête qui a mené ce dossier, paquet quoi de bouquet déjà mette un mandat contre Edzer Romeis et Mackenzie Romeis, qui sont deux frères qui sont chefs réseau qui est spécialisé dans le volet véhicule. La police a arrêté la date 8 novembre 2024 là, dans la zone Champ-Mars, policier Jean-Ernest Jacques, 25e promotion, qui a affecté dans l'unité temporaire anti-gang Italie. Policier Ernest Jacques a été en possession lui. Dans le jour ça, 2400 cartouches calibre 7.62 et 1000 cartouches calibre 5.56. Parmi l'autre matériel, la police a joint dans la machine policière. Il a gagné avec lui des armes de service qui sont un Glock 17, un chargeur qui a 17 cartouches, un fusil d'assaut MAC PTR numéro série AC DK 059-852, 4 chargeurs, une 20 cartouches 7.62, 2 téléphones portables, une qui c'est Mac Motorola et puis tout l'autre là, c'est Mac T-Mobile. La police, dans même 4 dossiers ça, la police arrivait à arrêter tout, Gloria Pierre, qui c'est un personnel administratif en institution policière là, qui affecté dans le service armement dans la direction logistique. Toujours dans le cadre dossier trafic illicite munitions. Toujours dans le département de l'Ouest, dans la commune Kinskoff, la police confisqué une machine de marque Nissan de modèle Pathfinder immatriculé AA88424, deux armes saisies, quatre bandits mortellement blessé dans l'échange coup de balle avec force de l'audio. Parmi eux, ont évadé de prison qui relaient Alain et Siponi, samedi 23 novembre 2024. Là, dans la commune Kinskoff, ça passe dans la localité Via, dans l'entrée de Montsel sur la route Belloa. Dans Delma 33, dans l'intervention du commissariat Delma 33, mené en tête collée à la brigade de lutte contre vol véhicule, BLVV, qui c'est une entité qui est en dedans DCPJ, mené dimanche 24 novembre 2024 là dans un club qui relait coin 33. Agent l'audio a interpellé deux individus et puis confisqué plusieurs matériels sensibles. Parmi eux, une arme 9 mm et une motocyclette. Agent l'audio a confisqué tout plusieurs uniformes qui pour plusieurs institutions tant pour PNH, l'armée d'Haïti, BESAP et police parlementaire et plusieurs radios communications. L'important pour nous souligner l'intervention si là, tu visé pour arrêter les gens qui t'a géré le club SAR, qui c'est contre 33 citoyens salariés Abraham Duré, qui souvent a fait être passé pour policier, malheureusement, il était dans Chapecoulou.